Alors, à votre avis, pourquoi est-il essentiel d'écrire au lieu de se taire? Moi, à titre individuel, je crois et il me semble que dans le contexte d'aujourd'hui, il est plus utile de se taire que de parler. Parce que d'abord, c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux. Et puis, on sait que probablement, ça ne changera rien à rien. Voilà. Donc, ça, c'est la situation du moment qui le veut comme ça. Mais quand on est un écrivain ou éditeur ou libraire ou journaliste, on a une fonction sociale à laquelle on ne peut pas se dérober. Il faut assumer cette fonction avec courage, avec intelligence, parce que nos sociétés sont totalement désorientées et elles ont besoin de retrouver du sens. Et qui peut donner du sens aux gens, si ce n'est ceux qui écrivent, ceux qui parlent, les penseurs, les libres penseurs. Et voilà, c'est dans ce sens-là. Il faut assumer sa fonction. C'est comme disait Jorge Sampaio, il disait, se taire est impossible. C'est à partir du moment où il a pris conscience de sa fonction d'écrivain, d'intellectuel, c'était plus possible de se taire, ce qu'il avait fait pendant 20 ans auparavant. Pourquoi même nous, dans les civilisations démocratiques, sommes menacés constamment de censure? Parce que la société moderne a besoin d'ordre. Elle fonctionne sur l'ordre. Tout procède et d'un ordre de plus en plus complexe. Regardez par exemple dans l'Union européenne, au droit national s'ajoute un droit supranational et tout cela a en quelque sorte bloqué la société. Donc voilà. Alors, on ne peut pas sortir du droit, mais il faut trouver des moyens de le dépasser. Gagner de nouveaux espaces de liberté. Alors tout ça, on a enveloppé cette démarche sous un concept nouveau qui est de vivre ensemble. Donc on vit ensemble sur la base évidemment du droit, mais on peut s'en écarter si on est d'accord. Mais sinon, on bâtit ensemble au fur et à mesure des règles de vie. Pourriez-vous résumer en quelques phrases comment est la situation des écrivains, des éditeurs en Algérie en ce moment-là? Elle est très difficile. Ils sont soumis à plusieurs censures, parce que jusqu'à présent, on a parlé un peu de la censure des États, qui relativement, on peut faire avec, parce qu'elle est organisée. Donc, il suffit d'aller voir la loi, qu'est-ce qui est interdit, bon, qu'est-ce qui n'est pas interdit. Donc, on peut travailler avec cela. Il y a une censure qui est nouvelle, c'est la censure des islamistes, de la religion. Donc à travers les imams, à travers les organisations religieuses et tout ça, qui elles, c'est à partir du Coran. Donc ils prennent le Coran et le traduisent en termes de loi interdisant ceci, interdisant cela, etc., etc. Mais il y a aussi la censure de la société. La société se protège en quelque sorte, parce qu'elle estime que les lois de l'État la protègent mal, que la religion la protège mal, parce qu'il y a des dangers nouveaux, comme par exemple l'évolution des jeunes, la révolte des jeunes. C'est quelque chose de nouveau qui n'est pris en charge ni par l'État, ni par la religion. Et donc la société décrète elle-même ses propres lois, ses propres censures. Tout à l'heure, je parlais de tous ces thèmes que la société interdit d'aborder. La loi ne les interdit pas, le Coran non plus. Mais la société estime qu'il y a plein de choses dont il ne faut pas parler. Par exemple, je ne sais pas, la drogue, la sexualité, toutes ces choses-là. Donc on est enfermé dans un système où on peut à rien dire. Alors, tout cela crée une sorte d'autocensure générale qui fait que ben, c'est le silence sidéral, quoi, complet.